C'était quoi ta mission? Une extraction. Et puis le ranch a donné un ordre de dernière minute. Exécuté après extraction. Je suis désolé. Ils nous ont dit qu'on sauverait des vies. Pas qu'on tuerait un des nôtres. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo en ce jeudi 7 avril 2022. Donc, j'ai été un peu occupé aujourd'hui parce que j'avais pas mal de choses à faire. Je cherchais de l'huile de tournesol, ça a été très difficile. J'ai dû faire plusieurs supermarchés et j'ai finalement trouvé un supermarché qui en avait encore, qui avait des stocks d'huile de tournesol avec pas plus de 3 bouteilles par famille. Donc, je ne vous dirai pas lequel pour que tout le monde ne se précipite pas dans ce supermarché. Mais il faut dire que de toute façon, dans quelques semaines, aucun supermarché de France n'aura encore de l'huile de tournesol. Donc voilà, c'est tout. Je pense que tout le monde a fait quelques stocks pour tenir quelques mois. Après, on se mettra tous à la cuisine au beurre. Pour revenir au Contractors, donc le film dont je vais parler aujourd'hui, c'est un film que j'ai vu hier soir. Donc c'est The Contractors, origine USA. La réalisation, c'est J.P. Davis. Et les acteurs, c'est Chris Pine, et Ben Foster et Gillian Jacobs. Donc pour le synopsis de Contractor, ça veut dire mercenaire en fait. Après avoir été viré des marines, James Harper rejoint une organisation paramilitaire afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il se rend en Pologne avec une équipe d'élite dans le cadre d'une mission visant à enquêter sur une menace mystérieuse. Mais Harper se retrouve seul et traqué au beau milieu de l'Europe de l'Est. Il va devoir se battre pour rester en vie assez longtemps afin de découvrir les raisons de ceux qui l'ont trahi. Et voilà, mes amis, en fait, moi, je ne suis pas contre les contractors, évidemment. Et je pense que tous les pays en ont besoin et les sociétés privées en ont besoin. Il s'agit, en fait, d'une sécurité paramilitaire, puisqu'en fait, les contractors s'opèrent généralement dans des pays, comment dire, pays à risque, on va dire, comme l'Iran, l'Irak, etc. Et ils peuvent intervenir également sur des pays amis, mais à ce moment-là, c'est non officiel, on va dire. Voilà, donc là, effectivement, dans The Contractors, l'acteur Chris Pine, en fait, il va intervenir en Europe de l'Est, dans un pays, on va dire, ami des États-Unis, puisqu'il s'agit de la Pologne. La Pologne est un pays anti-Russie, anti-russe et pro-américain. Et malgré tout, les contractors, là, ils vont être amenés à tirer sur des policiers polonais. Et de toute façon, ils vont être traqués, ceux qui faisaient partie de la mission vont être traqués aussi bien par les policiers polonais que par leurs amis, puisque leurs amis américains vont recevoir l'ordre de les exécuter. Voilà, donc c'est effectivement une mission douteuse, plus que douteuse, mes amis. Et effectivement, à chacun de... voir avant de s'engager dans des affaires pareilles, dans des missions pareilles. Donc je sais que les contractors sont utilisés un peu partout, sauf en France où c'est interdit, mais en tout cas dans les pays anglophobes, puisque les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays les utilisent grandement. Donc je ne vais pas aller plus loin, mes amis, parce que j'ai beaucoup mangé, j'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai attendu ce soir 19h40 pour manger. Et là, ce soir-là, j'ai trop mangé, je fais ma vidéo un peu tard, je sais, mais c'est parce que je suis allé courir également, je suis allé courir aujourd'hui, et j'avais pas mal de choses à faire entre trouver de l'huile de tournesol, faire du ménage, et puis aller courir et faire d'autres trucs comme ça. Ça m'a pris pas mal de temps, mes amis, et donc je fais ma vidéo que ce soir, et je vais faire le montage en suivant, et donc voilà, avant de me coucher, la vidéo sera en ligne, mais comme je l'ai dit, j'avais des petits trucs à faire. Oui, en fait, en plus, j'ai reçu un nouveau téléphone portable et je voulais transférer les données d'un téléphone, de mon ancien téléphone, sur le nouveau téléphone portable. Je l'ai fait en Wi-Fi, ça m'a pris 5 heures, voilà. Donc, je suis allé courir pendant que le transfert était en cours. Et le problème, c'est que c'est quand même long et je n'avais pas de câble USB type C faisant téléphone-téléphone, c'est-à-dire deux prises type C identique, voilà, mais ça je vais en avoir un puisque j'en ai commandé, j'ai commandé un câble donc je vais recevoir dans quelques jours. Donc la prochaine fois ça prendra beaucoup moins de temps de faire un transfert téléphonique, un transfert de téléphone par téléphone, voilà, plutôt que par Wi-Fi. Donc ce sera tout pour The Contractors, mes amis. Pour la petite histoire, moi j'étais militaire et j'avais un copain qui s'appelait Joe et on voulait faire mercenaire après l'armée, voilà.
Ça, c'était pour la petite histoire, mais l'avenir a fait qu'on a suivi d'autres chemins. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Portez-vous bien, mes amis. Et à demain pour une autre vidéo, si vous le voulez bien. Salut. Bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.